potes, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec mon acolyte Néo. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Swan, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la chasse aux fournitures scolaires. Et oui, les amis, comme chaque année, vous l'attendez depuis tellement longtemps. Ça Par fait un an. Néo, je suis pas sûr qu'il y ait du matériel pour la crèche pour toi. Non, mais c'est sérieux. Ah, le clash habituel, bien sûr. Non, mais ça me saoule. C'est bon. Quotidien. Les amis, là du coup, on va aller directement au magasin pour prendre les fournitures qu'il nous faut. Là, c'est le grand moment de vérité, les amis. En quelle classe passe Swan? Je passe. En maternelle. Non, c'est en quatrième. En quatrième. J'ai l'impression que la quatrième c'était hier, c'est un truc de fou. Comment c'est possible? Bah Néo, il faut que je te dise, je suis plus vieux que toi. Non mais j'ai l'impression, vraiment, il va trop vite là. Il a sauté une classe, mais du coup la quatrième c'est, waouh, c'est un truc de malade. En fait d'ailleurs Néo, ouais. Toi du coup tu passes en quelle classe? Alors moi du coup les amis, j'ai passé ma terminale, là je passe en classe youtubeur. Oui, bah, c'est une classe. Alors ça par contre c'est sans compter le redoublage hein, par contre. Le redoublage? Non, je redouble pas Swan, hein. Les amis, du coup moi j'ai terminé l'école, c'est terminé, c'est fini tout pour moi. Donc les amis, là je vais enchaîner direct sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Oui. Mais quand même t'as quand même besoin, tu as de matériel du bureau. Ah bah oui, donc c'est pour ça que moi aussi je vais faire mes fournitures. Donc les amis, je crois que là on est paré, on est prêt. Swan, par contre, comment t'es arrivé en quatrième là? Tu peux nous expliquer? Bah en parce gros... que t'as quel âge Swan? T'as 11 ans? Non, vrai Néo. 90 ans ou quoi? Ouais. Ça en restera gros, un mystère. En gros, j'ai redoublé 89 fois. Quoi? Bon, les amis, si vous voulez plus de détails sur les mystères de Swan, allez voir mon compte It's Neo The One sur TikTok. Bref, c'est parti, on va faire les fournitures, let's go. Allez, c'est parti. Ok, gars, on est en route pour le magasin de fournitures scolaires. Exactement, c'est un peu loin du coup. Ouais. Les amis, juste avant que ça commence, on met un pouce bleu, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche. Et vraiment beaucoup de soutien pour l'année prochaine pour Swan, parce que voilà, la maternelle c'est une année vraiment pas facile, il y a beaucoup de travail. Swan, en vrai, ça s'est bien passé ton année de 5ème? Ouais, c'est bien passé, j'ai des plutôt bonnes notes, je suis bien sorti. Tu es combien de moyenne générale? 15. Quoi? 15? Oui, hein. Les potes, moi, j'ai eu 13 de moyenne générale en 5ème. Alors moi, j'aurais plutôt dit 8. Non, mais vas-y, bah, fait trop le malin le Swan. Non, Swan, c'est un malade. Hein. Non, mais sérieux. Bon, en tout cas, t'as bien réussi ton année, Swan, c'est cool. J'espère que tu vas y arriver pour la 4ème. Moi, Swan, je suis désolé, mais j'ai pas de très bon conseil pour la 4ème. C'était pas une année formidable de mon côté. Toi, t'as des conseils pour rien. Mais ce clasheur là. Les amis, ouais, la 4ème, moi, c'était pas facile. J'ai pas eu toujours des très bons résultats, mais tranquille. Swan, je te donne toute ma force. Pas toujours. Dans cette épreuve, tu vas y arriver. Bon, en tout cas, Swan, je crois que t'as une belle liste. On va voir ça tout de suite dans le magasin. Ouais. Mais let's go. C'est parti, les potes. Et voilà les amis, on est du coup dans le magasin de fournitures scolaires. Alors bon, on n'est pas chez nous là, on est du coup en vacances. Enfin, c'est pas les mêmes magasins quoi. Ouais, et c'est normal si c'est pas en français du coup. Ouais, exactement. Donc bon. Voici ma liste. Alors fais voir. Ça c'est ma liste de fournitures. Cahier d'exercice A4, cahier d'exercice encore. Cahier d'exercice, calculateur scientifique, rapporteur, compas, cahier d'exercice, règle de 20 cm, calculatrice, deux surlinéaires, stylo rouge et vert, agenda. Ah, y a beaucoup de trucs, oh là là, d'accord, bon, on va bien s'amuser Swan. Bon, en tout cas, je te conseille de prendre ça pour commencer. Une voiture dinosaure, moi je trouve que ça te va bien. Ça pourrait être stylé comme accessoire de cours pour t'aider à te concentrer. Bien sûr, mais je pense que tu as aussi besoin de cette patte de chat pour te déstresser pendant ton travail. Bah merci Swan, justement, je vais la mettre dans ton caddie. Allez Swan. Bon d'accord. Ouais, bon maintenant on va vraiment commencer. Ok. Dis-moi mes fournitures scolaires. Oula, ok, c'est moi qui dois lui dire. Bon Swan, il faut commencer déjà par les bases des stylos. Ouais, enfin je sais pas vraiment les bases. Il veut vraiment emmener ça avec lui, c'est une dinguerie. Bah attends Swan, je te le laisse si tu veux. Hein. Non, tu vois, ça, non, c'est bon, c'est bon. Je vais pas prendre ça à l'école quand même. Ok, ok. C'est quoi ta matière préférée? Maths, je dirais. Donc on va commencer par l'informatique. Ouais. L'informatique. On va déjà commencer par bon, il nous faut un cahier d'exercice A4, Swan. Ouais, bah on va déjà prendre beaucoup de cahiers en fait. Ok. Tu es bien, je pense, c'est rose. Bah tiens, ok. Non, on non, prend le rose pour Swan. Regarde, c'est bon, j'ai trouvé. Regarde, A4. Ah là, y'a plus de blagues avec Swan. Hein. Regarde, A4, des cahiers A4, parfait. On va prendre. Pour informatique, on va prendre un cahier orange. Bon, je te laisse faire ton choix, Swan. Hein. Ah non, attends, c'est pas des cahiers, c'est des trucs pour l'art. Attends, par contre, y'a un truc à prendre pour l'art. Il faut prendre brosse à poils de porc de bonne qualité. C'est pas une blague, faut vraiment prendre une brosse mais à poils. Mais c'est un terme d'art. Ah bon? Ah d'accord, excuse-moi. Bah il faut prendre dossier A3 pour stocker le travail. Ah non, c'est juste A3, non. Oh, ah Swan alors. Bon, je vais t'aider. Bon du coup les amis, il n'y a pas les cahiers A4 ni les feuilles. Donc là on est un peu embêté, on va aller mais ailleurs. T'inquiète pas, il y a beaucoup de trucs ici. Ok, Swan, je vais t'aider du coup. On va commencer par l'art plastique. Okay. Donc là il nous faut de la peinture acrylique. Est-ce que tu te rappelles de ce que c'est ça? Ou est-ce que tu connais finalement? De la peinture, non? Oui, il te faut des petits et moyens tubes de peinture acrylique. Okay, dans bah, une variété de couleurs, y compris le noir et le blanc. Ouais, bon, c'est bon, on est aussi. Non, ça, c'est pas des... Est-ce que c'est la peinture? C'est pas ça de l'acrylique, Swan? C'est peut-être ça avec du poussin. Gouache liquide. Gouache, il me semble que c'est ça. Je suis même pas sûr en fait, les potes. La peinture acrylique. Je suis pas certain pour la peinture acrylique, mais ne t'inquiète pas. Est-ce qu'il y a des brosses à poils de Swan de bonne qualité? Non, il y en a pas. C'est Néo. Hein. En fait, Swan, les brosses à poils de porc, c'est ça. Hein. Ah oui, c'est ça, ouais. Il faut juste des pinceaux en fait. Et toutes les tailles, c'est vrai. Bah il demande bien moyenne, grande et ronde pointe. Voilà.
Regarde, il y a toutes les dates de l'hiver. Ça me prend... Est-ce que tu as vérifié que c'était bien du porc? Parce que c'est important ça. Hein. Si c'est pas du porc, on n'achète pas. Hein. Franchement, Antoine, hein. Il néglige ses fournitures scolaires. Alors, maintenant il me faut une palette de peinture. Palette de peinture, ça doit être là aussi. C'est devant toi, hein. Mais t'inquiète, je t'aime bien. Ah oui, mais ça c'est une palette super stylée où il n'y a pas besoin de peinture. Oui, Swan, t'es, comment elle s'appelle dans One Piece la fille avec la peinture? Miss Wednesday? Miss Wednes... Non, Miss Golden Week. C'est Miss Golden Week, voilà, vous aurez la ref pour ceux qui regardent. Il y a le verre de la détente là-dedans. Alors ensuite... Ouais, c'est sympa. En plus, ouais. C'est super pratique, t'as pas besoin de peinture pour ça. Bah Swan, franchement, je suis très content pour toi. Je suis vraiment tellement ému même. En plus, il y a toutes tes couleurs. Maintenant, une sélection de pastels à l'huile ou à la craie? Pastel... En plus, je ne me suis jamais servi en cours d'art. Il te faut aussi un carnet de croquis A4. Donc là, la carte, les potes, il n'y en a pas beaucoup dans ce magasin, ouais. Donc je suis pas sûr qu'est-ce qu'il faut. Pareil pour celle en forme de spirale carrément. Attends. Palette de peinture, c'est bon. Non, c'est parce que. Une sélection de peintures de H à B, dont HB. Donc. C'est quoi ça? Swan, explique-moi. Ça, c'est ce qu'on appelle la peinture incompréhensible du public. Ah, carrément. Mais Swan, je veux que tu sois un futur grand artiste, moi. Peintre, c'est ça? Bah oui. Par contre, il y a plein de trucs pour toi du côté des maths. En plus, t'aimes bien les maths, donc ça tombe bien. Ouais. Il te faut une calculatrice scientifique Casio FX82 SPX2i. Ça, c'est très bien. Du premier coup, Swan, regarde comme je suis un expert. C'est bien. C'est quoi ça? Une. Attends, Casio FX. Non, c'est une 99, non! Non, non, les amis, c'est pas ça. Attends, mais. Mais ça commence pas maintenant, et c'est quoi ce genre de maths? Mais c'est ce qu'il demande. Mais oh, mais Swan, il fait même pas confiance, c'est une blague. C'est exactement la même et c'était très bien celle que j'avais. Là, oui. C'est exactement la même. Vu que t'as déjà la même, on va voir dans un autre magasin si on n'a pas une meilleure. Ouais, en attendant, Swan, il te faut un rapporteur et un compas. Ouais, faites gaffe à pas rapporter. Rapporte pas, hein. C'est mon même, les potes, ça. Et quand je parle de même, je parle pas du personnage de Oshinoko. J'aime bien. C'est toi avec tes rêves. C'est normalement, ça devrait aller. Rapporteur, compas, règle. Bah, Swan, super. Let's go. Allez, c'est bon. Voici ce qu'on a pour l'instant. Du coup, on a une règle, un compas, un rapporteur. On a aussi des crayons de couleur. Enfin non, c'est des pinceaux à poids de porc. Qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi pas à poids de vache finalement? Quoi? Et il y a aussi la palette de peinture. Enfin d'ailleurs, j'ai remarqué, mais il y a un pinceau avec. C'est génial ça. Bon, en tout cas, franchement, c'est le meilleur début de fourniture scolaire que j'ai jamais vu de ma vie. Hein. Regarde-moi ça. Vidéo, on continue. Ça me fait pleurer quoi. Bon, les amis, on a trouvé quelques trucs bien sympas pour Swan. Tout d'abord, les crayons à papier, Swan. Bah, donc ça, c'est un bon pack de papier. Bon, c'est les classiques en vrai. Hein. Ouais, voilà. Là-dessus, rien de bien compliqué. Regarde, non, Léo, c'est des crayons évolution. Ça rigole pas, hein, en mode Pokémon. Hein. Attends, regarde, il y a des gommes souris maintenant. Ah, oh, c'est sympa. Les fameuses gommes, regarde. Ah oui. Bleu rose, c'est le mystère. Le bleu qui est censé gommer le stylo mais qui fait rien. Y a pas les gommes comme j'avais l'année dernière, tu sais qui tournent. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Attends, par contre, c'est quoi, ça, le meilleur taille crayon du monde. Bah Swan, si ça tombe bien, il faut un taille crayon justement. Vas-y, ok. Attends, il fait quoi ce taille crayon? Fais voir. Attends, il fait attends. Quoi les amis, on est sur un taille crayon monstre et en fait, bah ouais, faut juste appuyer sur ses yeux et il va juste tailler. Ah t'es quoi? Ça est très sérieux comme gomme. Ok, la gomme classique, d'accord. Ça voit que c'est pour une année de 4ème et pas pour une année de petite section. Ah ouais, donc Swan, là tu rigoles plus, je vois, là c'est parti, tu prends des trucs sobres en fait, ça rigole pas. Bon en tout cas Swan, maintenant, il faut un tacrayon. Ça c'est quoi? C'est pas parce qu'il y a un ressort, je ça, sais pas à quoi ça sert. Et attends, je prends la grenouille, c'est pas mal. Ouais, attends, il y a d'autres trucs là, hein, regarde. Il y a ça, un petit pingouin, tu veux pas le petit pingouin Swan? Non, c'est bon, c'est bon. Il y a celui qui peut éjecter les tacrayons aussi, les mines en fait de crayon. Celui-là, je le prenais tout le temps, c'est pour attaquer ses camarades, c'est ça? Bon Swan, en tout cas tu prends quoi? La grenouille. La grenouille? Ouais, la grenouille, regarde. Très bien, ok. Swan, pour l'instant, pour la quatrième, c'est sérieux, ça rigole ouais, pas. Ouais, voilà, ça rigole vraiment, vraiment. Ouais, je vois. Ensuite, il te faut des ciseaux, Swan. Les ciseaux? Bah attends, est-ce qu'il y a des ciseaux ici? Ah, par contre, Léo, j'ai remarqué un truc pour le rapporteur. Ouais? Alors, ouais, une seconde. Dis-nous, Swan. En fait, il est rapporteur comme ça, en rond, c'est 100 fois plus pratique en fait. D'accord. Bon, Swan, tu le prends ou je le prends? Vas-y, prends-le. Ouais, parce que là, la taille, bon, je vais t'aider, t'inquiète. Vas-y, attends, passe-moi ça. Mais qu'est-ce qu'il a spécial? Non, mais Swan, ça sert à quoi ce truc? En gros, en fait, pour les équations, t'as besoin de savoir un angle qui a plus de 180 degrés, c'est super pratique. Ouais, vas-y, bah, je te le donne, je vais pas trop compris. Et après, tu dis que tu veux savoir ce que c'est. Mais oui, mais t'inquiète. Attends, par contre, je vais reposer ça. Attends, Swan, tu veux enlever le rapporteur du coup? Mais ça me sert à rien d'avoir deux rapporteurs. Bah, d'accord, mais là, il y a une règle, il y a une équerre, et c'est un rapporteur de secours en fait. Mais attends, tiens, regarde, je vais prendre une règle encore mieux. Attends, il y en a pas une ici. Ah, bah, ça, regarde, il est flexible. C'est trop bien. D'accord, ok. Swan, il veut pas le truc tout en un, il veut plusieurs trucs de bonne qualité à chaque fois. Ouais. Et finalement, on va y voir pour l'équerre. Hein. Ouais, tu bah, Néo, ça irait bien pour l'équerre, ça. Ok, très bien. En plus, c'est long, c'est sympa. Je te laisse faire, moi. Vas-y. Allez, c'est parti, Néo. Ok. Ok, bon, moi je note. Il faut de la colle aussi. Ah, la colle, bah, c'est bien. Il termine pas en colle, hein. Bon, allez, prends la colle, Swan. Ok. Bon, donc, finalement, il y a aussi agu.
pas pareil. Oui, et des ciseaux. Ah oui, regarde, ciseaux, ouais. Des ciseaux à ta taille, les ciseaux poussins. Si c'était à ma taille, j'y prendrais direct. Sérieux, tu veux vraiment des ciseaux poussins de 3 ans? Mais c'est trop bien, les ciseaux poussins. C'est à l'âge de 3 ans. Hein. Mais Néo, comment tu démarquais du reste des élèves? D'accord. Tu prends des ciseaux poussins. Malin, le Swan, malin. Bon, par contre, en vrai. Pour ceux qui ont 3 ans, profitez-en parce que Swan, il va prendre des poussins. Voilà, sachez-le. Bon, les potes, moi je vais lui prendre de la colle pendant ce temps. La meilleure colle pour Swan, c'est celle-là. Voilà. C'est okay, colle rose girly. Néo, je suis pas sûr que ce soit à ma taille. Hein. Ouais, j'ai envie de dire. Ouais, Swan. Néo, je sais que cette colle est rose. Vas-y, Swan, prends tes ciseaux là. Néo, prends notre colle. Ça c'est bien. Il est gros, ouais. Bon, on en prend plusieurs quand même. Ouais, on en prend plusieurs. Regarde, une colle géante. Voilà. T'en as assez là? Ouais, ça doit être bon. Bon, Swan, il te faut aussi des surligneurs. Ah, vas-y, comme ça alors. Bah, ça, c'est pas mal, il y a beaucoup de couleurs. En plus, c'est cool quand t'as plein de couleurs d'un truc. Et un compas. Un compas, alors normalement c'est là le compas. Je suis en vrai, il est assez rouge. Attends, Néo, par contre, j'ai aucune idée de ce que c'est que ce truc. Hein. Ouais, c'est quoi cet appareil bizarre, j'avoue. Hein. Ça doit être un petit étui. Ça on dirait un arrosoir. J'avoue. Ça peut être pas mal. Un signe sinon. Là c'est pour les astronomes. Attends, regarde tous les appareils qu'il y a dedans. Ouais, j'avoue, il y en a deux là. Tu vois, il est bien. Tu as le rouge. Attends, je vous montre. Et si en plus il y a une mine de rechange. Moi, ça je pense que c'est simple et efficace. Ok, soit je te laisse faire. Hein, moi. Ouais, de toute façon, c'est pas des fournitures scolaires. Toi, t'es à la crèche, t'as besoin de rien. Ah oh, ouais, il veut stager comme ça. Tu sautes, attention, attention. Alors, du coup, Néo. Enfin, du coup, pour la calculatrice, il te faut ça là, regarde. Calculatrice. Oh, un coffret de calculette. C'est pas mal, non? Texas Instruments. À l'ancienne pour ceux qui ont la ref. Swan, je note du coup tout ce qu'on a pris. Ouais. Par contre, je vous avoue, les potes, que là, il n'y a pas grand chose. Ouais. On est un peu en galère. Donc, à mon avis, on va vite changer de magasin. T'es chaud, Swan? Ouais, c'est parti. Allez, go. Transition. Si les monteurs n'ont pas de transition, ce sera la honte. Bah, Léo, on est dans un nouveau magasin. Ok, bon, en vrai, Swan, je trouve qu'il y a plus de choses ici. Il y a un peu plus de choix. Ça va être sympa. Je vais commencer par le cartable, les trousses, les agendas. Et Léo, qu'est-ce que tu fais? Allez, non, voilà. Bon. C'est parfait. Bon, Léo, un, t'as pas besoin de cartable, t'es plus à l'école. Et deux, pourquoi un cartable rose? Écoute, Swan, ça fait du flow, tu comprends? C'est de l'originalité, c'est du charme. Bon, alors, Léo, ok, ce sac est très bien, mais j'ai beaucoup mieux. Bah, je vous montre ça après. Bah, j'attends de voir ça. Hein. Allez, montre-moi, Swan, let's go. Allons-y. Bah, ouais, bon, ils sont, pas terribles. Hein. C'est pas qu'ils sont pas terribles, c'est qu'ils sont classiques. Voilà. Ouais, c'est vrai. Bien par contre, simple. Toi, je pense que ça, c'est parfait pour mais toi. Mais Swan, c'était évidemment ce que je voulais depuis le début. Regarde, il est incroyable. Deux sacs roses. Merci. Un troisième, s'il te plaît, quand même, minimum. Quatre sacs roses. Voilà, parfait. C'est ce que je voulais. Bah, Swan, là, je suis bien. Parfait. Moi, je suis prêt pour la rentrée. Parfait. Allez, j'y vais. Bon, par contre, ces sacs-là sont pas terribles, je dois aller en chercher d'autres. Vas-y, Swan, je te laisse faire. En attendant, je vais les ranger parce que ça va prendre énormément de temps. Ouais, j'avoue. Ici, il y a masse de sacs. Ouais, mais je m'attendais pas à ce que tu en prennes autant. Hein. Non, non, non. T'as besoin de tout ça. Non, non, ça, c'est tout le choix des sacs. Genre, regarde, là, il y a un sac bébé, enfin, bébé Yoda. Enfin, gros goût. Ouais, voilà. Bon, en vrai, c'est déjà plus stylé. Celui-là, franchement, ouais, je le prendrais presque. Pas mal. Ok, bon, il y a encore des trucs très basiques ouais, là. Je trouve que c'est pas. Je trouve qu'il y a des mauvaises couleurs. Et oui, il y a un autre sac Star Wars. Enfin, non, ah non, c'est Marvel. Star Wars, ouais, vachement Star Wars, ça, ouais, j'aime bien. Tu veux pas un t-shirt Adidas aussi là? N'importe quoi. Bon, ouais, en vrai, pas mal. Oh, attends, où un ça, c'est sac. Bien pour toi. Alors, attends, c'est quoi? C'est un sac à roulettes? J'ai l'impression. Il est trop bizarre ce sac parce qu'il est super lourd, mais il n'y a pas de roulettes. On dirait juste qu'il y a une plateforme solide là. Bah, en vrai, Néo, je pense qu'il sera parfait pour toi. Ah, bah, tiens. Super, merci. Donc, prends vraiment les potes. Ce sac est vraiment pas très beau. Je suis désolé pour ceux qui le long. Bon, en vrai, sac, mouais, bof, hein, bof. Mouais, mouais. Voyons voir les trousses. C'est où les trousses? Attends, ils sont où les trousses? Attends, il y a que ça en trousses? Attends, Léo, c'est une nouvelle gamme de trousses écrasées. Attends, mais regardez les potes, c'est des mini trousses Ispac. Bon, je suis content que ce soit du Ispac, mais c'est vrai que les trousses sont un peu trop petites. Hein. Bah, en vrai, Léo? Il y a quoi? Il y a du rose. Ouais, il y a du bleu noir. Marine. Non, c'est Léo, c'est du bleu marine, Léo. Bleu marine, excuse-moi, Grand Swan. Là, il y a des grises. Gris. Bon, Ouais, vraiment, vraiment pas terrible ça. Hein. Bon, Léo, allons voir les agendas. Ok, mais Swan, est-ce que tu peux y arriver? Le rêve de tout le monde, Swan. Réussir à rentrer ce côté-là de ce côté-là. Néo, c'est pour avoir un caddie gratuit éternellement. Ça se voit que ce n'est pas possible, Néo. Non. Ça se voit. Ouais, bien. Un jour, j'y arriverai, mon rêve. Ouais. Attends, Néo. Attends. C'est ça, les agendas? Ils sont pas un peu trop petits, là? Wow. Il n'y a absolument rien dedans. Ils sont tellement tristes, ces agendas. Wow. Comparé aux nôtres. Les amis, ouais, nos agendas, ils sont tellement mieux. Ouais, mais bon, Néo. Ça fait un bon chapeau à Swan. Bon, en vrai, Néo, il n'y a rien qui est vraiment bien ici. Hein. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai pris en sac, en trousse et en agenda. Ok. C'est parti, transition! Bon, Néo, les trousses, les sacs et les agendas qu'on a trouvés dans le magasin, ils étaient pas mal, mais moi, je préfère la gamme Swan! Ta-da-da-da!
Oh là là, méga stylé. Ouais, il est trop super stylé, les sacs super stylés, les agendas super stylés. Mais attention, il y a plein de nouveautés là. Bah ouais, regarde, déjà il y a des sacs, des nouveaux sacs. Genre le sac slime, avec sa trousse slime. Donc l'ensemble Néo finalement, ça design. Non, je te jure Swan, j'adore cet ensemble par contre, il est incroyable. Ouais, j'avoue, il est trop bien. Regarde Swan, il y a le logo juste ici, en vert, ouais, slime. Aussi, hein. L'autre logo juste ici aussi. En vert slime, derrière. Tout en slime. Non, j'adore. Incroyable les amis. Il y a aussi l'ensemble flamme. Parce qu'en fait, il y a plein de sortes de flammes différentes. Il y a la flamme grise, là, comme j'ai moi sur mon survêt. Il y a la flamme grise foncée, qui est comme sur ce sac. Ouais, avec la trousse trop stylée d'ailleurs. Ouais, avec aussi il y a bien sûr en feu. Il y a la flamme charbon. Ouais, en noir avec la flamme, c'est vraiment trop stylé. Avec le logo juste ici. Ouais, trop bien. Et donc Néo, mais finalement il y a encore plein de trousses. Non mais Swan, t'as largement le choix là pour tes plaisirs scolaires. Et enfin, quatrième sac, l'ensemble Sweo Blanc. Okay. Comme mon t-shirt, comme ma casquette, voilà, tout synchro, toute la collection. Donc il y a déjà la trousse qui est très stylé, voilà. T'as vu Léo, j'ai fait l'hommage de te mettre sur ma trousse sur le bloc. Non mais t'es sérieux là, non mais on est tous les deux des gamers Swan hein. Pareil pour le sac. C'est incroyable, t'as vu Swan, c'est notre meilleure survie là. Avec notre bloc, queen bloc, un poulet bloc. Ah bien sûr la référence à poulet. Bah hein. Avec le logo sous le bloc, ouais, ici trop stylé. Et pour finir, le sac piscine sous le bloc. Alors c'est un sac piscine, mais moi je m'en sers aussi pour mettre mes baskets ou aller chez un pote. Ouais, c'est très utile, multifonction finalement. Et Néo, regarde, il y a plein de trousses aussi. Oh. Mais en plus, Néo, je crois bien qu'il y en a une nouvelle. Ah ouais, mais attends. Regarde, c'est la trousse bienvenue à Drankar Park. Oh là là. Oh, regardez, c'est trop stylé. C'est un easter egg que tu veux nous montrer. Ouais, ouais. Regarde là dans l'ordi. Ah ouais. Il y a une vidéo de nous deux. Oh, c'est méga stylé. Ouais, regarde, c'est trop stylé. Néo, il y a combien de trousses différentes maintenant? Mais il doit y en avoir tellement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, voilà, et 14. Et 14. Il y en a 14. 14 nouvelles trousses, Swan, c'est incroyable. Il y en a énormément. Mais ton, de la collection que c'est. Bah ouais. Genre, pendant 14 années scolaires, tu peux avoir une trousse différente, soit ouais, une. Ouais, j'avoue, c'est trop. C'est un truc de malade. Je suis tellement content, moi perso. Et Néo, ce n'est pas fini. Attends, Swan, tu peux même prendre une trousse pour chaque saison. Ouais, j'avoue. C'est trop stylé ça. Ah, c'est trop bien. Mais Néo, comme je t'ai dit, c'est pas fini. Regarde. Il y a encore deux agendas qui restent. Oh là là, et puis Swan, il y a des agendas là, on a du lourd cette année. Hein. Ouais, donc on commence nouvel agenda. Avec le Swan et Néo juste ici. Voilà, comme chaque année, il est méga stylé 2023-2024. Donc dans cet agenda Swan et Néo, il y a déjà une photo. Donc déjà, il y a une photo. Il y a aussi des images pour chaque mois, donc regardez là pour septembre. Il y a aussi des FAQ. Oui, les images. Regardez, une FAQ ici, il y a des images dans les trucs. Il y a aussi des gags de BD. C'est trop stylé. À la fin, il y a aussi des jeux. Attendez, des jeux, des tests, il y a plein de trucs. Et là, une nouveauté encore, il y a aussi des extraits de notre nouvelle BD Brothers, des stickers et une nouveauté, des étiquettes. Tan tan tan. Trop bien ça, c'est pour customiser les cahiers. Ouais, voilà. Mais Néo, finalement, il n'y a pas que ça. Il y a aussi ton propre agenda. Et oui, les amis, la grande nouveauté de cette année, c'est l'agenda Néo The One. Je suis tellement fier de vous l'annoncer, de vous le présenter. Il est incroyable. Non mais vraiment, il est parfait. Genre tu vois vraiment, c'est l'agenda que je voulais. On a juste ici Swan, bien sûr. Ouais, attends, oui bien sûr, ouais, c'est Swan. Tu veux dire quoi? J'ai un peu oublié son agenda. Hein. Ouais. Allez, je te refais une présentation. Alors, tout d'abord, on a sur la couverture du coup mon magnifique Alter Pizza. Franchement, ouais. Swan, il est très pratique parce que il est très léger, mais en même temps, il est vraiment très appétissant. Ouais, en fait, il devient de plus en plus léger. C'est ça. Les amis, regardez-moi ça. C'est trop stylé. Je suis tellement content. Regardez, il y a plein de custom juste ici. Voilà. Tout ce que je kiffe, les réseaux sociaux, le gaming, la bouffe, burger, frites, vous me connaissez en fait finalement. Thank you. Bacon burger. Regardez, juste ici, on a aussi des petits customs, à mon goût bien sûr. Là, regardez, One Piece, bien sûr, la base, juste là. Il y a aussi des petites illustrations par-ci par-là. Donc bien sûr, des références aux vidéos que j'ai faites et même au TikTok. Donc là, pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est quand je faisais une coiffure à l'aveugle. Oh. Ça m'a tourné là. Heureusement que ce n'est pas passé comme ça dans la vraie vie. Hein. Vous connaissez ça? Est-ce que vous reconnaissez les amis? Alors non, moi Néo, je vois pas du tout ce moi, que perso, c'est. Moi perso, je vois pas du tout ce que c'est. Genre vraiment... Ouais, genre moi, je vois pas du tout ce que c'est. Pas du tout. On a aussi, bien sûr, les stickers juste ici. Pas en chocolat ou chocolatine. Go muscu, les amis, voilà. Muscu avec des donuts, bien sûr. Un croc, une poussée d'alter. Parfait, en vrai. Ouais, maintenant, je vous montre quel texte on est tous les deux. Quel texte sur les Néo. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez, finalement. Donc voilà, il y a plein de textes et tout. En vrai, Néo... Finalement, moi, un passage que j'ai adoré dans ce cahier de texte, c'est surtout ce passage, tu vois. Non mais t'es sérieux là? Attends, c'est quoi ce délire?
Non mais Sun, tu peux un prank là? C'est arrivé tellement de fois. Non mais je vais te soigner là-haut. C'est un prank ton préféré là? Bah, on va passer un bon moment moi là, sérieux. Mais moi j'en ai passé un super Néo. Et bien sûr, on l'a pas dit, mais vous pouvez retrouver tout ça sur swooshop.com. Oui, tout est disponible sur swooshop.com les amis. Vous êtes d'ailleurs très nombreux à nous demander ce que c'est swooshop.com. C'est tout simplement notre boutique en ligne dans laquelle on vous propose tout ça. Exactement. Voilà, tout ça c'est sur swooshop.com. Nos t-shirts, nos vêtements, nos trousses, nos sacs, textes, nos agendas, tout. Nos casquettes, mon bob, nos Néo. Tout est là. Alors Néo n'est pas à vendre, Swan. Écoute, je vends Swan moi sinon, ok. En tout cas les amis, tous nos produits swooshop sont dans notre boutique. En fait Néo, je sais qu'il y en a beaucoup qui se posent la question, mais cette boutique est à qui en vrai? C'est la mienne, ok? Non. Alors non, les amis, c'est notre boutique à tous les deux, on se la partage, voilà. Ouais, voilà. Et c'est que à nous deux. Voilà, que à nous deux. Enfin, que à moi surtout. Quoi? Ouais. Bon Swan, du coup, tu nous as tout présenté, mais qu'est-ce que tu prends pour l'année? Ah oui, c'est vrai ça. Alors Néo, je sais ce que je vais prendre. Ouais. Je vais prendre cette trousse-là pour les crayons de couleur. D'accord. Parce qu'elle est super stylée, je trouve. Avec Easter Egg, parce que moi j'adore les Easter Egg. Je vais aussi prendre la trousse sous à bloc. C'est assez avec la trousse basique. Des goûts de roi, ça. Ouais, des goûts de roi, bien sûr. Et je vais prendre le sac sous au bloc parce qu'il est trop stylé. Oh là là, incroyable. Oh, il est trop trop bien. Sun, franchement, là, tu es paré. Ouais. Et prends aussi ton sac de piscine. Ah ouais, voilà, le sac de piscine. Et bah, Néo, je parie quand même. Bah, allez, bonne rentrée, Sun. Force à toi. Hein. Ouais, non, c'est pas encore à rentrer, au moins. Heureusement. Et Sun, alors, il te faut un agenda aussi. Ah oui, c'est vrai. Vas-y, prends le mien. Non, Néo, je vais plutôt prendre l'autre. Non, mais attends, non, mais. Allez, hop. Bon, ton choix est ton choix. En vrai, je comprends. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ah non, je suis bloquée. En fait, Néo, j'avais même pas vu, mais il y a des filets sur le côté pour mettre la gourde. Ça, c'est et tout. Méga pratique, ouais. Mais ces sacs-là, c'est pas seulement des sacs scolaires, ça peut aussi être des sacs de voyage. Ah bah, bien sûr, ouais, bah, bien sûr. Soit, moi, j'ai peu à l'école, donc ça va être mon sac de voyage. Heureusement pour toi, hein, tu vas pas à l'école. Hein. Bah, j'ai YouTube quand même. Bon, en vrai, Néo, maintenant que j'ai mon sac, mon agenda et tout, je peux retourner faire la chasse aux fournitures scolaires. C'est parti. Allez, c'est parti, on y va. Il nous fallait déjà. Swan, regarde. Néo, tu sais lire ou pas? Ouais, il nous fallait des stylos friction. Des stylos friction, Swan, déjà. C'est la base. Et attends, Swan, viens, regarde. Il fallait aussi des crayons de couleur. Ah oui, bah parfait. Là, c'est bon, il y a ce qu'il faut, voilà. Alors, du coup, c'est des crayons de couleur quoi? Alors, il y avait une marque spéciale, c'est des crayons de couleur Staedtler. Ouais, Staedtler, j'arrive pas trop à prononcer, mais. Écoute, Swan, prends ce que tu veux en crayon de couleur. Je pense que ça passera bien. Je vais peut-être prendre celui-là, celui-là. Color Peps. Ouais, ok. Ça donne du Peps, ouais, trop drôle ça. Puis regarde, t'as même un pinceau en cadeau. Waouh, trop cool. S'il est en poil de porc, ça peut le faire. Hein. Ouais, s'il est en poil de porc. Sinon, il y a ça avec le château, ça permet de. Oula, alors, château, je suis ça. Même pas sûr que ce soit des crayons de couleur. Swan, là, tu pars un peu trop loin, ce sont des feutres. Ah ouais, Swan, restons sur le sujet. Attends. Il y a ceux-là qui sont pas mal. Bah, sinon, il y a lui. Hein, alors, Swan, en vrai, je l'ai trouvé des trop bien. Regarde, tiens. Là, Swan, je pense qu'on peut pas avoir mieux. Vraiment. Ah ouais. Oh, il y a beaucoup de couleurs. Hein. Par contre, le prix, Swan, s'il te plaît, là, 60 euros pour des crayons de couleur, c'est quoi ce délire? Aïe, aïe, aïe. Bon, écoute, je te laisse choisir, mais. Non, mais il croit que c'est un frigo, le Swan. Il y a une serrure. Ah. Attends, mais ça s'ouvre pas. Il veut prendre comme un tacos, là, dans son frigo. Bah, attends. Ça va prendre celui là-bas. Finalement, celui-là, ils sont bien. Tu restes sur ceux-là? Écoute, Swan, il y a ceux-là aussi, regarde comme il a l'air heureux. Ensuite, il faut des stylos fins noirs, or et argent. Des crayons variété HB. Mais c'est bon, on est pas dans Pokémon, hein, or et argent. Portefeuille, dossier noir, crayon de couleur, donc attends, ça c'est là, bon. Attends, t'as un portefeuille? Oui, il faut carrément des matériaux spécifiques au projet. Je sais pas ce que ça veut dire, Swan. Alors, ça veut dire. C'est en technologie. Un truc dont je vais prendre pendant l'année d'école, en fait. Parce que je ne sais pas ce qui m'attend. D'accord, ok. Bon, bah, on va cocher alors, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ça. Ouais. Donc, alors, Swan, ensuite. Stylo fin noir. Vas-y, attends, faut trouver les stylos. D'ailleurs, Swan, pour le compas. Non, mais oh, il fait n'importe Swan. Ouais. Swan, pour le compas, est-ce que tu trouves pas que celui-là il est mieux? Regardez les potes. Parce que Swan il avait un compas. Ah il avait ouais, celui-là. Swan il a pris lui exactement. Mais c'est celui-là que j'avais avant. Mais celui-là je trouve que c'est mieux avant. En vrai. En vrai, prends celui-là non? Bah ok, mais bon. Ouais. Mais Néo, bon, ça fera un deuxième compas de rechange, l'autre, ouais, on va ouais, dire. C'est voilà. Ça, okay. Prends celui-là. C'est moi je le trouve mieux. Regardez, venez les potes. C'était celui que j'avais en fait quand j'étais petit celui-là. Alors moi c'est exactement celui que j'avais l'année dernière. Ouais, bon, ça fait le ouais, taf. Quoi. Swan, par contre, j'ai trouvé un truc trop drôle. Je pense que ça va te faire trop rire. Regarde, suis-moi. T'avais déjà choisi un de tes crayons, Swan. T'avais pris celui-là précisément. Non, je dois perpétuer la tradition des lapins. Alors, Swan, non, pas les lapins. Les hamsters. Regarde. C'est quoi ça? C'est des hamsters, ça. Regardez, les potes. Il y a des tas de crayons hamsters. C'est trop bien pour toi, ça. Alors, je sais pas ce qu'ils font. Je crois qu'ils grignotent. Ça fait un effet bizarre. Mais ça a l'air trop bien. Regarde, t'as le choix en plus. T'en as un en bleu, en jaune et en rose. Et je fais tomber les tas de crayons. Ouais, super. Bon, par contre, Néo, ouais. Chaque année, je prends les tas de crayons lapin.
Mais il faut que je perpétue la tradition. L'hamster qui vient de sortir. Bon bah prends ton ta crayon si tu veux, moi j'aurais pris l'hamster, j'ai le seum. Je le prendrai pour ma vidéo chasse aux fournitures scolaires. Voilà. D'ailleurs les amis, je sortirai bientôt ma nouvelle chasse aux fournitures scolaires. Voilà, comme chaque année pour moi aussi. Oh, regarde Néo, tais-toi. Complètement. Tais-toi, regarde, il y a des trucs de colle Mario Kart. T'as du colle là? J'ai trouvé une colle parfaite pour toi, regarde. Une colle transparente. Ça a l'air trop stylé. Je sais pas du tout à quoi ça sert, ça a l'air bien gadget, mais moi je le prends, je suis un gros pigeon. Je pense plutôt que c'est une colle qui fait beaucoup de couleurs en fait, de colle. De couleurs? Tu vois beaucoup de couleurs là? Écoute Swan, moi je dis ça, je dis rien, je suis juste là pour te conseiller, mais tu prends ce que tu veux Swan, moi je te laisse le choix. Ah là, tu me laisses bien le choix, tu me laisses vachement le choix. Tu le prends du coup ou pas? Non, je le prends pas Néo. Et Swan, regarde, des colles Mario. Non, là-bas tu prends, les colles Mario. En vrai Néo, chaque année on se fait avoir. On pense que c'est des colles spéciales, mais en fait non, c'est juste une image. Oui, c'est des colles avec une image, mais c'est trop bien. Tu veux pas les colles Mario? Le grand fan de Mario refuse l'école Mario. Swan, regarde, du Mario Kart encore. Il y a carrément de la pâte à pique que j'avais pas vu. Ah, attends, mais pas trop de stylé avec Mario et Peach. Et Luigi, bon, lui on s'en fiche un peu, mais voilà, il est là. Bon, ok Néo, j'ai pris une école Mario. Bah voilà, le retour du grand fan quand même. Par contre Néo, est-ce que... Ah oui, regarde, non, j'ai pris la colle avec Luigi parce que tu as Luigi. Ah, t'es un original toi. Voilà. Luigi. Vas-y, Swan, parle un peu comme Luigi. Pizza, spaghetti. Non, ça marche pas ça. Non, Swan. Non, plutôt, je suis nul, je suis moins fort que Mario et je suis un loser. Tu vois, c'est un peu plus comme ça qu'on parle de Luigi. Moi, je prends Bowser. Enfin, pour Swan, du coup, mais. Allez, Swan, faut que tu prennes tes fournitures scolaires, vas-y. Non, arrête. Quoi? Si tu veux repasser en quatrième et prendre tes fournitures scolaires comme moi, tu dis. Swan, je t'aide là-haut. Bon, en vrai, Néo, je vais prendre un tacrillon pour Nuts. Oh, c'est en hommage à Nuts. Ouais, attends, Je comprends. Ça me prend, mais fais attention de pas mettre ton doigt ici, parce qu'il va te mordre. Il va te grignoter. T'es équipé, Swan, parfait. Ok, donc bon, quoi? Alors Swan, déjà Fur, Koubé, excuse-moi. Swan, il te manque un truc extrêmement important, ce sont les cahiers d'exercice A4. On a galéré à les chercher dans notre magasin, il n'y avait rien du tout. Là, Swan, j'espère pour toi qu'il y en a, parce que ce sont les trois quarts de ta chasse aux fournitures. Okay, donc là, ça va te sauver si on en trouve. Allez, go. Stand 100% gauché. Oh, attends, cool. Donc attends, c'est... Par contre, Néo, comment un tel crayon peut être pour gaucher? Bah attends, on va tester. Je comprends. Mais ça, c'est quoi? C'est un boomerang? C'est un boomerang, ça sonne? Bah, ça, c'est un compas, ouais. Enfin, je crois. Mais comment un compas? Ah non, c'est un stylo spécial pour gaucher, en fait. Donc, tu sais, les gauchers, ils écrivent pas très bien. Donc, c'est en fait un truc spécial en mode tu le tiens bien. What? Tu vois? Ouais, par contre, peut-être que je vais avoir besoin de ça. Alors, les ciseaux, je veux bien, mais c'est que les tailles crayons, j'ai un peu de mal à me dire que c'est pour gaucher, quoi. Ouais, genre, t'as juste à mettre ton crayon dedans, quoi. Ah, j'arrive pas du tout là, comment on va faire? Ah, c'est beaucoup plus simple là. Ouais, j'avoue, c'est totalement ça. Ah, bah voilà! Enfin, regarde, pourquoi c'est la main gauche? Qu'est-ce qui est marqué là? Alors, non, c'est un L. Mais du coup, explique pour les abonnés qui savent pas. En gros, left, ça veut dire gauche en anglais. Ouais. Et R? R, ça veut dire right, donc ce qui veut dire droit ou gauche. Donc voilà, si la main est en R. En fait, c'est moi qui explique, mais je lui ai demandé d'expliquer, tout va bien. Dis-moi une phrase en anglais. Hello! Proprement. Swan is a very not intelligent king. Ok, recueille. Swan is not strong. Swan is weak. Alors, avec la prononciation. Swan is ridiculous. Ok. Néo is talking a little bit too much, I think. Not a co-point, sorry, my friend. Voilà, bref. Alors, Swan, il faut des cahiers d'exercice A4. Là, t'as rien ici. Là, ce n'est pas ce qu'il faut. Là. A4. En rose en plus, c'est parfait pour Swan. Non. Alors les potes, en fait, Swan, il lui faut des lignes spécifiques. Il lui faut pas ça, il lui faut, vous savez, les lignes classiques quoi, de cours. Quoi. Je sais pas trop comment expliquer plus que ça, mais... Bon, après toutes les galères pour les cahiers d'exercice A4, apparemment, on a trouvé ce qu'il faut. Ça, voilà, parfait. Swan, c'est là où je suis pas à l'école avec toi, donc là, on a besoin de toi pour savoir. C'est ça, le bon cahier? C'est de la 4, c'est les bons carreaux? Ouais, ça, je vais utiliser pour les maths. Swan, il t'en faut déjà 3 comme ça. Oh, ouais, c'est parti. Un pour le français, un pour l'espagnol et un pour l'informatique pour l'instant. Tiens. Anglais, le rouge et le bleu? Le bleu, c'est pour les maths. Les maths, d'accord. Ouais. Et maintenant, il t'en faut un pour l'informatique et pour le français. Il t'en faut un aussi pour la science. Et pour les maths, c'est pas forcément de la 4, Swan. Hein. Ah, d'accord. Français, espagnol. Swan, en vrai, il t'en faut pas pour l'anglais. Hein. Ah bon? Non, il faut des feuilles simples A4, classeur à lui. Oui, voilà. Donc là, du coup, Swan, je t'en ai pris un pour le français et l'espagnol. Là, c'est français-espagnol. Ok, d'accord. Alors, donc ça, lui, je vais prendre pour l'informatique. D'accord, informatique, c'est noté. Ouais. Donc là, il manque quoi? Maintenant, il te faut du coup pour. Les maths. Les maths. Quel exercice pour les maths? Et t'en fais un aussi pour la science? Ouais. Néo, finalement, je vais en prendre deux. Ouais, tu vas en prendre deux, Swan? Néo, je te vois prendre un truc.
Oh, c'est parfait ça, voilà, c'est ce qu'il faut pour Swan. Je peux pas apprendre des trucs avec le cœur. Mais c'est peut-être Swan. Oh, il y a des étoiles là. Oh, c'est bien pour Swan. Moi je vais en prendre deux bleus. Deux bleus? Mais attends, pour deux matières différentes? Il va s'embrouiller comme jamais. Hein. Swan, il faut toujours prendre des couleurs différentes. Ah bon, d'accord. Prends un rose, c'est bon, c'est pas grave là. Swan, il veut vraiment pas prendre de rose. Vas-y, attends, un noir. Ah ouais, non, mais waouh. Swan, c'est bon, il est devenu Mister Swan là. Il est trop sérieux maintenant, il est trop dark. Pour la science, ça. Pour la science. T'es devenu dark, Swan. Il t'en manque un pour les maths. Pour les maths, du coup. Ok, Léo, il n'y a pas d'autres couleurs, je prends rose. Bah voilà, allez, passe-moi le rose. Juste parce qu'il n'y a pas d'autres couleurs. Bon, niveau cahier d'exercice, Swan, je crois que t'es à peu près bon là. Ouais, bah il manque les feuilles et les cahiers de science. Ouais, maintenant, Swan. Ouais, d'accord, il faut la calculatrice. Donc, c'est une Post Kleenex Jest Win Soft. Allez, c'est parti. Bon, ouais, Néo, par contre, sérieusement. Bah voilà, regarde, une calculatrice. Non, non, c'est pas la bonne calculatrice, ça. Ah. C'est pas les magasins. Non. C'est CIA, la bonne calculatrice, regarde, 82. Soit, regarde, j'ai trouvé une calculatrice, regarde. What? Non, mais rends-moi mon téléphone, c'était pour la blague. Non, mais rends-le-moi. Non, mais rends-le-moi. Non. Ça le fout, là. Prends ta calculette. Ok, allez, c'est bien. Ah oui, bah du coup, je crois que c'est exactement celle qu'il te fallait. C'est la 82. Oh, en vrai, ça t'a mis du temps pour deviner. Regardez. Non. Bah du coup, c'est bon, la calculette de Swan est prise. Ok, donc maintenant, Swan, un truc hyper important, les feuilles à 4. Ah oui, feuilles, bah c'est pareil. Et ouais, mon gars. Vas-y, vas-y. C'est pareil. Allez, retour. C'est reparti. Swan, regarde, y'a que du Harry Potter, là, trop bien. Harry Potter. Alors attends, y'a des gommes. Détail crayon. Voilà. Des ciseaux. Détail crayon. Un détail pour crayon. Non, non, détail crayon. Ah, donc des détails dans le crayon. Ok, c'est bon, on est ouais. Ça, c'est des crayons à papier, des vrais crayons à papier. Des ciseaux. Des surligneurs, encore des surligneurs. Et Néo, t'as des serpentards ou. Moi, je suis poussouf. Ouais, j'ai toujours poussouf. Et regardez, il y a des crayons de couleur là. Ah oui, mais je les ai. C'est stylé, ils sont customisés. Ah, je me disais, oui, d'accord. T'as carrément une boîte là, c'est quoi ça? C'est quoi? Ah, c'est des crayons de couleur. Ah ouais, c'est un coffret. C'est sympa ça. C'est méga stylé même. Attends, vas-y, prends-le. Vas-y, en vrai, ouais. Ah oui, regarde, il y a des stickers, c'est tout. En fait, c'est une valise, regardez. Ouais. C'est la valise. Ah, non, c'est trop stylé. Les packs sont trop bien. Bon, est-ce que tu vas les prendre du coup? En vrai, ça j'ai envie de prendre. Ça, au cas où. Parce que ça me fait beaucoup d'affaires de rechange. Au cas où, tu sais. Ça sert à rien, mais vu que c'est Harry Potter. Ouais, ça, tu prends pas? Si, aussi vu que c'est Harry Potter. Allez, hop. Les achats sympas. Soit une bonne nouvelle, tu as terminé les maths. Tu as tout pris en maths. Génial. C'est bon, j'ai fini mes maths. Alors non, par contre, malheureusement. Oh, d'ailleurs, Swan, en science, il demande aussi une calculatrice, mais c'est la même, on est d'accord? Oui, c'est la même. Okay. Oui, c'est la même calculatrice. Excuse-moi, Swan. Alors attends, je note. Bon, les amis, petite ellipse. En fait, qu'est-ce qui s'est passé, Swan? En fait, le magasin a fermé à midi. C'est ça, il y a eu une petite pause, du coup, on en a profité pour bien graille. Mais en attendant, les amis, là, on repart, let's go. Voilà, on est de retour devant les papiers toilettes. On a tout ramené à la voiture, et là, c'est parti pour la suite. En fait, Léo, tu penses qu'on aurait besoin de papiers toilettes? Non, mais Swan, arrête, c'est pas du papier toilette, ça. C'est quoi? C'est pour les imprimantes, enfin, je crois. Oui, penses? Si, regarde, c'est pour les tickets en fait. Non, mais c'est dingue comme ça ressemble à du papier toilette. C'est des mini papier toilette, Swan, alors. Hein. Ouais, c'est vraiment des mini papier toilette. N'importe quoi. Bon, allez, on va au stylo. Là, c'est la plus grosse partie de ta liste, Swan, actuellement. Donc, c'est parti. Oula, attention, par contre. Wow. Un stylo parfait pour toi. Oh, stylo à fleurs. Un stylo quatre couleurs, fleuri, avec des peluches carrément. Oui, parce bon. Parce qu'en fait, ça, c'est doux, ça. Allez. Bon, Néo, je pense qu'on a surtout besoin de stylo friction. Bah, c'est bien ça, regarde. C'est pas friction ça. Mais c'est pareil, c'est stylé. Non oh, mais Néo. Ah, tu veux des frictions toi, en gros qui s'effacent oui. En fait. Oui, comme ça okay. C'est pratique. Hmm. Bon bah les amis, on va en chercher alors. Ce que j'aime bien, c'est que Swan il les garde quand même quoi. Ouais, on les garde quand même. Ça va faire le petit charme, tu vois. Objet de collection Néo. Y'a ça qui est pas mal là, non? Attends, regarde. C'est friction ça Swan, ah, oui, attention oui, à mon accent anglais. White, écrit, phrase, efface, rewrite, réécrit. Où est-ce que tu vois phrase? C'est E-Waze. Ah, c'est E-Waze, pardon. Je pensais que c'était un F en fait, vu que c'était effacé. Ouais, bon, c'est pas grave. Bon, c'est bien ça en tout cas. Ouais, par contre, il faut quelle couleur, Néo? Bah, il faut ces couleurs là déjà. Ouais. Ensuite, il t'en faut ouais, bleu, vert, rouge, noir. Plus des recharges. On n'a pas de noir. Bah, prends des noirs. Celui-là, non? Mais non, tu viens de prendre des noirs. Si ah, oui, t'as pas de vert. Attends, il manquait. Ouais, vert. Celui-là, il est vert. Voilà, ok, donc parfait. Là, avec des recharges, bien sûr. En gros, en fait, il y a toutes les couleurs avec des recharges. Donc. D'accord. C'est pas une recharge bleue. Mais Swan, c'est vert. T'es Dalto Swan? Ouais, c'est Delta Swan, c'est ça, Swantonien. Les rouges. Attends, regarde, il y a des recharges, mais de quelle couleur? C'est vert. Ah, ils sont là, les rouges. Ils sont derrière, regarde. Ah ouais. Donc, on a vert, on a noir et on a rouge. Il nous manque. Je pense et on a que bleu. De ce côté, okay, c'est parfait. Bon. Donc, là, Swan, maintenant, il faut que tu prennes un stylo 4 couleurs. Je pense okay. Que c'est ce qu'il faut. On les a déjà, ouais. Voilà, un petit stylo. Mais par contre, je vais pas utiliser ceux-là, hein, tu sais. Attends, quoi? Ils sont bien. J'ai utilisé ça, c'est 100 fois mieux. Oh, le classique Swan. Ouais, regarde, il y a le quatre couleurs importantes. Vraiment le full classique. Celui-là, Swan, tu vas te le faire voler.
Pourquoi? Bah Swan, il y a les voleurs de 4 couleurs dans la classe. Il y a aussi les voleurs de Néo, tu sais. C'est n'importe quoi. Non mais Swan. Laisse l'expert te choisir ton stylo 4 couleurs. Moi Swan, le meilleur pour toi, ce serait celui-là. Le rose gold. Quoi? C'est bronze, Néo. C'est marqué rose gold. Bon, c'est pas grave. Ok, donc. Oh, il y a celui-là aussi qui est parti pour toi. Néo. Ça sert à rien d'en avoir un à paillettes. Mais il y en a tellement maintenant, je savais pas qu'il y en avait autant, c'est trop stylé. Vous en pensez quoi, les potes? Oui, bon, Néo, c'est sympa, mais bon. Bon, dites-nous en commentaire quelle est votre couleur préférée pour les stylos 4 couleurs. Bon, ça, t'as le classique, le rose, le vert. Là, celui-là, il est bien aussi, hein. J'aime bien le t-shirt avec les palmiers là. Ouais, en bleu. Oh là, il y a toutes les couleurs, t'as vu? Celui-là, je l'avais avant, je l'adorais. Je le trouvais trop stylé. Ah oui, ouais, shine. Bon, c'est un peu t'as largement le choix là. Moi, je me dis que là, tu peux faire un truc de malade. Tu peux avoir un style incroyable. Et moi, je me dis, je peux avoir un style totalement classique, original. Non, mais sérieux. Attends, vas-y, il y a celui fun, marrant. Fun. C'est même pas une blague, regarde. Il y a même un design bois. C'est trop bien. Mais où le design diamant? Bon, en tout cas, Swan, niveau stylo, je pense que t'es bon de ce côté-là. En technologie, il te faut un stylo fin noir, or et argent. Ouais, papa, pour les crayons variété HB. Oh, la blague nulle. Donc, Swan, là, bonne chance pour les trouver. Je sais même pas si ça existe en vrai de cette façon. Parce qu'en fait, finalement, on va jamais trouver. Il me semble que j'en ai vu. Ah bon? Prends ton caddie et suis-moi. Ok. Alors, attends. Wow. Bah, Swan, regarde, c'est pas ça? Si, c'est toi, tiens. Vas-y, prends celui-là. C'est or. Prends le argent aussi. Or, et argent, parfait. Et t'en as plein. Voilà, parfait. On prends celui-là. Faut un noir aussi. Mais il y a pas, il y a un noir là-dedans, non? Ouais, non. Mais comme ça, sous le même format. Okay, ouais, et après, on va vraiment chercher des vrais stylos, mais je suis pas sûr qu'on en trouve, donc les potes, on restera là-dessus au pire. Mais je crois qu'il y en a là-bas, donc on va regarder. Alors, reste quoi maintenant? Bah, viens, les mêmes stylos, hein, viens, on va chercher là-bas. Un peu plus vite que ça, Swan, s'il te plaît. Toi, t'as pas un caddie, hein? Swan, j'ai trouvé le truc parfait, regarde. Oh, c'est un stylo rose. Bon, c'est pas le stylo rose, Swan, c'est ça, ouais. Regarde. C'est quoi? Un stylo or. Voilà. C'est pas de la peinture, tu vois, comme les autres, des feutres un peu. Là, c'est vraiment un vrai stylo. C'est même pas que maintenant, faut le trouver en argenté. Mais Néo, là, tu prends 3 plombes, dégage. Quoi? Pardon. Mais c'est pas un stylo argent, ça? Le Swan Expert. Regarde. Non, c'est un feutre. Bon, prends-le si tu veux. Ah, mais attends, il y a là, non, un stylo argent. C'est un stylo, par contre. C'est des stylos, ça? Ouais. Ouais, regarde. Ok, bah vas-y, prends ça. Allez, bon, je pense que là, niveau stylo, t'es largement bon. On a fini cette étape. Alors, ouais, non, c'est bon. Ok, Néo, il reste quoi maintenant? Alors maintenant, Swan, le boss final. La feuille simple A4. T'as quasiment toutes les matières qui le demandent, Swan, donc on va en prendre un max. Allez, c'est parti. En géographie, en anglais et même en histoire, t'en as besoin. Et Néo? Ouais. En vrai, tu penses qu'il y a un permis de conduire de caddie? Vu comme t'es un expert, je pense que tu l'auras direct s'il existe. Ouais, sûrement. Toi, tu pourras même pas avoir celui de voiture, donc caddie, je sais. Tu dis quoi là? Ouais, ça doit être des feuilles, ça. Non, mais Swan, je crois que t'as pas compris. Des feuilles simples A4, pas un carnet. Ah bon, zut. Par contre, t'as un carnet de croquis A4 relié sans spirale à avoir. Oh. Et un carnet de croquis A4 relié en forme de spirale. Hop. C'est un carnet. On va prendre ça alors, hein, si tu penses que c'est bon. C'est un bloc-notes. C'est un bloc-notes, mais ça marche pareil. C'est bon pour toi, ça? Regarde. Hop, carnet. Il t'en faut deux, hein. Ça veut dire quoi, sans spirale et en forme de spirale? Bah, sans spirale, en fait, c'est comme ça. Mais avec spirale, c'est un peu plus compliqué. Je sais même pas si bon, on a une spirale. Faut que tu en trouves, faut que tu trouves les deux. Hein. Bah, attends. Bon, bah, je te note déjà le sans spirale alors. Et est-ce que tu as un classeur à levier A4? Ouais, un classeur à levier? Oui. On est dans Minecraft maintenant. À redstone. En vrai, je sais pas. Hein. Donc il faut des classeurs A4, non? Des classeurs A4? Bah attends. Attends. Mais passe-moi ça là, tu sais pas lire. Je sais pas lire. Classeur à levier. C'est ça? Ça, c'est des classeurs à levier, ouais. Il t'en faut deux? Bah je vais prendre ces deux-là. Bloqueur et violet. Ok, très bien. Bon bah je te laisse, j'ai note. Hein. En plus, là, ils sont. Allez, classeur à levier. Ouais, attends Néo, c'est ils good. Ont dû à sortir. Maintenant Swan, quelque chose de très important, il te faut des intercalaires. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Interstellaire. Ok, il faut combien? Bah 2. Ok, vas-y, bah prends-les. Vas-y, cool. Ok, Néo, il reste quoi maintenant? Bah maintenant il te faut des feuilles simples A4. Mais attends, tant qu'on y est ici Swan, ouais, il te faut des dossiers A3. Non, ça c'est au besoin, si on en a besoin. Ah, donc on les prend pas en fait, c'est ça? Ouais. Au besoin quoi. Ouais, c'est ça. Donc, vraiment, au cas où. Donc je le coche, je le prends, ouais, c'est bon, ça. On prend pas. Ouais, mais t'inquiète, c'est bon. Qu'est-ce qui reste dans ce rayon? Parce que là, il te faut des tubes de peinture, mais ça c'est plus tard. Carnet de croquis A4 relié en forme de spirale, un dossier A3 pour stocker le travail, un portefeuille A4 A5, et des feuilles simples. Les feuilles simples, on les a pas, non? Supplément couvre-livre. Comme tu le sais, je suis extrêmement propre, voilà. Donc mon livre n'a pas besoin de protéger. Oh, j'ai jamais entendu une excuse aussi éclatée. C'est une blague. Bien sûr que si, il faut les couvre-livres là. En moi, tu prends soin de tes affaires, toi. Bah ouais. Bien sûr. Bien sûr. Mais t'as vu l'état de ta chambre? Non, mais la blague. Et t'as vu l'état de la tienne? Mais ça veut rien dire, on parle de la tienne là. Non, mais vraiment, mais.
Un swan swan. Néo, il n'y a pas besoin de ça aussi. Ça. Bah c'est quoi ça? Bah c'est des casseurs. Des chemises. Pour stocker les feuilles. Ouais, les chemises. Bon bah prends-en si tu veux, mais. Et attends, bleu. C'est pas noté swan, hein? Ouais, normalement ça devrait marcher. Et ça m'a l'air un 4. Ouais, vas-y, je vais prendre ça ailleurs. Ok. Bon, en tout cas, swan, je pense qu'il faut vraiment aller dans un autre rayon parce que là, il n'y a pas tout ce qu'on veut ici. Ouais. Allez, let's go. Là. Ok, ça y est. Oui. Alors, Swan, il faut des feuilles simples pour 3 matières différentes. Ok, donc on en prend 3. C'est bien des A4, vérifie. C'est des A4, oui, j'ai vu. T'as d'autres trucs là? Regarde, c'est A4. Bon, ok, bah vas-y, prends celle-là. Avec un hibou, faut toujours faire confiance à un hibou. Il manque quoi maintenant? Il n'y a plus grand chose. Maintenant, il te faut un portefeuille A3 dossier noir A5 en carnet. Je sais pas du tout ce que c'est, Léo. Il y a un truc qui est assez commun dans les listes de fournitures scolaires. C'est qu'à chaque fois, quoi, tu fais acheter beaucoup de choses qui servent à rien. Donc oui, faut pas tout acheter non plus. On sait jamais, ça, on sait jamais. Bon, Swan, là, il te faut des dossiers A3 pour stocker ce travail. C'est ça, A3, non? Oui, A3, regarde. A3, tu prends violet? Ouais, violet, parfait. Très bien. Voilà. Après, Swan, il y avait vert, hein, fluo. Violet aussi, c'est bien. Bleu. Ok, ok, violet. Alors donc. Ensuite, il te faut des portefeuilles A4, dossiers noirs A5 plus un carnet. Là, c'est le plus dur apparemment. Wow. On va se diriger vers le côté carnet. Et les carnets sont là. D'accord, il faut déjà un carnet. Voici un carnet, portefeuille, noir, machin, truc. Bon, Swan, maintenant, il te faut un portefeuille A4. Donc c'est ça en fait. Ouais, d'accord. Tu prends quelle couleur? Je vais en prendre un bleu ce soir. En vrai, on va pouvoir stocker beaucoup d'argent dedans. Quoi? Si c'est un portefeuille. Trop marrant la blague, quoi. Wow, Néo, dérapage. Au secours. Non. Ouf. Oh. Ok, bon. Est-ce qu'il y a des couvre-livres par ici? Bah non, du coup, hein. Non. Oh, attends, il y a des livres d'art. C'est pas. Oui! Le truc à spirale! Attends, c'est combien? C'est A4! A4! Mais parfait! Let's go. On a besoin de ça! C'est bon! C'est au Pokédex! C'est le Pokédex! Tu l'as bientôt fini, ça, ton Pokédex? Ouais, il manque Arsos! Là maintenant, il te faut du coup. Bah, des couvre-livres. Écoute, couvre-livres. Puis après, on va terminer sur le truc peinture. Non, mais Néo! Les couvre-livres. Mais en fait, il cherche pas, il essaie de me convaincre de pas les prendre. Eh, Léo, ce serait pas des couvre-livres, ça? Ça alors. Ok, ouf. Bon. Bon, on les prend finalement? Ouais, vas-y, on les prend. Ouais, c'est bon. De toute façon, comme je t'ai dit, de toute façon, comme je t'ai dit, ça va pas servir à grand chose. Hein, parce que je vais prendre très soin de mes livres. Non, mais n'importe quoi. Ils vont être exposés dès le premier jour, donc t'as intérêt à bien les prendre, tes couvre-livres. Ah, bah, on prend même deux. Voilà. Même deux, allez. Maintenant, il faut que tu trouves une sélection de pastels à l'huile ou à la craie. Ainsi qu'une sélection de peintures de H à B, dont HB. À la maison, c'est ça encore? Ouais, bien sûr. Il y a tout à la maison en fait. Il n'y a pas besoin d'acheter les fournitures. Ouais, tout magasin, il y a besoin. Allez, Swan, faut assumer là, let's go. Plus de la peinture acrylique. C'est parti. Ouais, c'est parti pour la peinture, hein. Néo, attention. Alors. Swan, tu veux pas une bouteille de peinture? C'est la peinture du bidon. Oh, par contre, Néo, j'ai failli ouvrir. Peinture du bidon. Donc voici Néo, il est peinture du bidon, donc on a jaune. T'es prêt pour faire la trend TikTok là, j'ai c'est ça. On a blanc. Bonsoir. En fait Néo, oui. Un truc assez drôle, vert, en fait, ça ne devrait pas être dans les couleurs primaires parce que c'est une couleur secondaire. Parce qu'en fait tu peux la mélanger pour que ça donne une couleur, c'est ça? C'est ça, ouais. Merci pour le conseil. Et du coup, comment on fait du vert? En mélangeant du jaune et du bleu. D'accord, merci, bah voilà, le leçon Swan. Le nouveau Ouais, attends Néo, le vert il fait partie des couleurs primaires. Bah oui. C'est parti pour les débats de peinture. Ça c'est un kit acrylique. Ah regarde, bah voilà, comme ça on a toutes les couleurs. Bah il était bien les gros pots, les capris là, non? On prend pas ça? On va prendre les deux. Tu veux D'accord, tu veux le pack entier. Bah Swan, je pense que tu vas devenir un futur peintre reconnu. Est-ce que t'es fort en art plastique? Alors c'est moi en art plastique je fais en sorte. C'est compliqué. Genre le minimum du minimum, tu vois. Ah d'accord, t'as pas envie de. T'aimes pas l'art plastique en fait? Non, je déteste l'art plastique et je suis vraiment pas très fort au dessin. Ah ouais d'accord, faudrait qu'on fasse une compétition, hein. Moi j'étais un expert à l'époque. C'est une blague, je sais pas dessiner. Pareil. Bref, ça c'est noté. Maintenant il te faut de la pastel et des peintures classiques. C'est parce qu'on a la peinture classique? Non. Oh là là. Ah non, c'est de la pâte à modeler, pardon. Putain, je savais pas que ça existait la pâte à modeler sous ce format. Tu veux de la pâte à modeler, Swan? C'est de la pâte à modeler ça? Ouais. Tu veux pas, Swan, des gouaches supérieures? C'est bon, on a assez de gouaches. Bah non, il faut des gouaches, Swan, réellement. Ah bon, ok, bon d'accord. En plus, c'est des gouaches de grande qualité. Tiens, prends tes gouaches là. Il serait juste la pastel et on aura fini. Pastel... Tu prends quelle pastèque? Très drôle. Je suis marrant. En vrai, pastel, bah c'est là, non? Il y a un aigle dessus. Non mais... La pastel, elle est devant lui, là, il fait extra quoi? Il monte des crayons à papier avec un aigle. Donc, ça c'est ça la pastel, non? Oui. Bah, en vrai, Néo, il hésite beaucoup entre ces deux-là, hein. Il y a beaucoup de choix. Hein. Ça aussi c'est bien.
Non. Un Renéo, j'hésite beaucoup entre ces deux-là. Oh, c'est vrai qu'il y a l'hésitation, hein. Oh, attendez, regarde, il y a tout un kit de pastel. Bah, prends celui-là alors si tu veux. Hein. Et si, en plus, c'est vraiment toutes les couleurs de pastel. J'ai une bonne nouvelle, Swan. Ouais. La liste de fournitures vient de commencer. Non, vient de se terminer. Ouais. C'est fini, Swan. Tu peux repartir pour tes vacances et profiter un max. Ouais. Ça y est. Mais pas toi, parce que tu dois aussi faire une fourniture scolaire avec des affaires de bureau. Bah, c'est à mon tour. Je dois faire mes fournitures scolaires. Donc, Swan, c'est bon. Va passer dans ta piscine là. Allez, c'est à mon tour, les amis, maintenant. La vidéo sort très bientôt. Allez hop, c'est bon, j'ai toute ma liste. Let's go. Alors Swan, il y a juste un petit problème avec l'agenda. Voilà. Non mais tu parles, je préfère un autre hein. Bon, t'es sérieux là, attention. Tiens, il est beaucoup mieux hein. Bon, dites-nous en commentaire si vous avez déjà fait votre shopping de fournitures scolaires. Exactement. Pensez au pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et salut à tous. Allez hop, à plus.